Il est là, Fabien? C'est de la part de La bande à Dylan. D'accord. Fabien, il y a la bande à Dylan pour toi. Oh, ça va? Salut les gars. Ça va, mec? Tranquille, bien. Comment tu vas? Ah, là, ça va, tranquille. Bon, on va traîner au centre commercial de Saint-Jean, tu es avec nous? Grave, je vais rejoindre. Oh, c'est beau. Ça. Yes. Allez. Cool, tes nouveaux potes. Bon, ça va. Tu fais quoi cet après-midi, toi? Bah, je bosse. Bah, voilà, comme tout le monde. Eux, au moins, ils ont les mêmes vacances que moi. T'as de la monnaie pour les jeux d'arcade? Bien sûr. Tu voudrais que je vienne te chercher? Oh non, surtout pas. Oh la honte! Allez, viens, les gars! Oh, mademoiselle, ça brûle! Super ta technique d'approche! Oh là, le lourd! Oh! Oh, c'est pas possible, lâche pas l'affaire. Hein. Eh, je suis une bombasse, mais quand même. Hein. Ouais, mais poussin, viens, ça brûle. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Oh, il est pas mal ce petit bikini là. Il est bien acheté ce petit bikini. Crème solaire? J'ai. Lunettes de soleil? J'ai. Pareo? J'ai. Serviette? J'ai. Gros cul? Drap? J'ai. Ah bah nous partons dans le sud-ouest. Oh bah nous pourrions essayer de nous croiser aux alentours de Saint-Jean-de-Luz. Nous avons loué à partir du 15 août. Oh, crotte! On sera reparti, nous, on loue la première semaine. En flûte! Ah, c'est dommage. Entre Haussiens, on aurait pu se croiser. Pardon? Non, je disais qu'entre Haussiens... Je ne suis pas Haussien, moi. Enfin, je ne comprends pas, vous ne partez pas en août? On m'y est obligé. Pour une sombre histoire de planning. Quelle que soit la raison, quand on part en août, on est Haussien. Alors, excusez-moi, mais se faire traiter d'Haussien sous son propre toit... Non, 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 moi je dis non, 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 je dis non. Bon. Excusez-le, voilà. Il fait partie d'une famille de juilletistes convaincus et extrêmement tatillons sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, j'ai une sœur juilletiste, je sais ce que c'est. Voilà. Bon. Hey, Dodo, Dodo, viens. Tu sais, je pensais, cet été, on pourrait faire du camping. Du camping? Oui. Du camping dans un camping? Non, du camping sauvage. Ah, en pleine nature, on chercherait des fruits dans la forêt pour manger. Tu vois, on ferait des feux, on dormirait à la belle étoile, tout ça. Et tu plaisantes, j'espère. Du camping. Du camping. Non, mais... Bon. Pourquoi pas de camping? Moi, c'est un bronzage comme ça que je voudrais. Parfait, uniforme. Comme si j'avais passé 3 mois au soleil. Il a peut-être un super bronzage, mais c'est tout ce qu'il a, Poussin, écoute. Ah, c'est vrai, mais n'empêche que je suis grave jalouse. Hein. Oh, mais c'est un clochard. Oui, non, mais je sais, c'est horrible. Mais avoue qu'il a un super bronzage, quand même. Hein? Ah bah, tu vois! Tu vois! Bon, bah, on peut y aller, Raymond? Attends, je prends des photos des meubles. Ah, c'est pas bête. Ah oui, c'est pour l'assurance? Non, non, c'est pour m'en souvenir. On part 3 semaines, je te signale. C'est pas bête non plus. On ne bouge pas. Mon plus joli meuble. Bon, allez, on y va. Ça va avec ma sœur? Ah ouais, grave. Non, bah c'est cool. Ah, on est content pour vous, hein, vraiment. Bah c'est sympa, merci. On se demandait juste si faudrait pas que tu fasses un peu gaffe. Ouais. Gaffe à quoi? Bah, Ludivine, elle déteint pas un peu sur toi? Tu deviendrais pas un peu con? Bah non, je crois pas. Coucou mon arc-en-ciel. Coucou ma pluie d'amour. Oh, plic, plic, plic. Plic, plic, plic. Bon allez, on vous laisse, on va faire...
On te laissera pas tomber, mon pote. Il est foutu. Ah. Alors cette année, c'est moi qui fais ma valise tout seul. Ah. Attends, je suis plus un môme. Bah oui, bah bien sûr. Et alors Écoute, fais ta trousse de toilette, hein, puis moi je ferai la valise. Ah bah oui, bien sûr, la trousse de toilette. Mmh. Et alors Dans la salle de bain. Ah oui, bien sûr, mmh. Oui. Bah, prends la brosse à dents, puis je ferai le reste. La rouge ou la bleue? La rouge! Ah! Mais de merde! Sérieux? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit poussin? Ça va pas? Non, mais j'ai passé une journée de merde au boulot, là. Oh non! Bon, allez, installe-toi. Mets-toi à l'aise. Oh. Tu bouges pas, hein? Bah non. Tu m'appelles quand ça va mieux? Courage, mon petit poussin! Et vous partez combien de temps? 3 semaines. Faites gaffe, hein, parce que l'année dernière, on est plusieurs à s'être fait cambrioler pendant les vacances. Hein. Mettez une alarme. Hein. Ah non, on peut pas. On est de gauche. Comment ça? Bah, les alarmes, c'est de droite. Ah bon? Bah oui. C'est comme, je sais pas, la yaourtière. C'est de droite. Par contre, le barbecue... C'est de gauche. Et la plancha? Voilà, de droite. Vous en mettez une? Bon, ça va, je voudrais pas abuser. Mais non, mais il y en a plein le frigo. Ah ça, par contre, le frigo, c'est de droite. C'est de gauche. Un frigo qui fait des glaçons. Ça, c'est de droite, hein? Eh oui. Il y a des nuances. Ah oui. C'est pas facile. Bon. Allez. Attends, on n'oublie rien? Non, on a les papiers, on a le thermos, on a les médicaments. Bon. Ah si, on oublie les billets. Ah bah rien que ça. Bon, j'y vais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je te rappelle que les billets sont là-dedans. Ah c'est vrai. Ah non, mais franchement, c'est pas pratique ces nouveaux billets électroniques. C'est pas pratique, mais il y a que ça, alors on n'a pas le choix. Allez, on y va. Oh là, oh pof. Cassé devant. Ouais, bah oui. Eh ben, ça va pas mal, Ellie. T'es le cafard. Bah pourquoi? Cafard de la rentrée. Bah, on est même pas encore parti en vacances. Justement. Demain matin, on prend la route à la première heure. Demain soir, on est face à la mer. On admire le coucher du soleil en sirotant un cocktail. Hein? Les jours suivants, on nage, on rigole, on se fait des nouveaux amis. On voit pas le temps passer. Les 3 semaines filent comme rien et hop, c'est déjà l'heure de rentrer. Je connais le truc par cœur, c'est plus le cafard. Bah, je sais pas quoi te dire, moi. C'est la vie. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est jeunes, on a plein de rêves, on a des ambitions. On bosse, on tombe amoureux, on se marie, on fait un enfant, on l'élève, il fait un enfant, tu vois. On voit pas le temps passer, hein. Puis la vie, elle file comme rien, et puis hop, c'est l'heure de tirer sa révérence. Tu vois, je connais le truc par cœur, ça me fout le cafard. Je ne sais pas, là. Philippe. Qu'est-ce que t'as? Tu viens t'excuser? Non, mais en fait, tu veux pas arrêter avec ton sax, là? Écoute, peut-être que ça te saoule, mais moi, c'est ma manière d'exprimer ma douleur. Je suis un bluesman, Camille. Je saigne à travers la musique. On s'est dit des trucs pas faciles ce soir. Laisse-moi pleurer sur mon sax. Oui, ok, mais en fait, c'est parce que les voisins ont appelé pour se plaindre. Ah ben, il est un petit peu tard, donc
Tu veux pas me faire la gueule avec un verre de bourbon plutôt? Ah, ça, ça fait blues aussi. Tu vois, ce qui est chiant avec cette chaleur, c'est que je sais plus quoi faire. Je suis tiraillé entre mon besoin de fraîcheur et l'envie de me jeter sur toi pour te faire l'amour comme une bête sauvage. Tu me touches, je t'éclate. Eh ben voilà, c'est réglé, je suis plus tiraillé. Merci, chaton. Regarde, regarde, regarde. Et hop, je suis arrivé. Non mais ça va être top cette rando. Non mais t'imagines, la marche, le grand air, les paysages de ouf. Non mais je kiffe la rando. Mais évidemment que tu kiffes. La marche est gratuite, le paysage est gratuit, le grand air c'est gratuit. Tout est gratuit. La rando c'est le truc de radin. Ça va être génial. Mais je kiffe la rando pour ça. 5 km à pied, ça use, ça use. 5 km à pied, ça use les sous-pieds. Bonjour madame. Je suis le commandant José, bienvenue à bord de la compagnie Air Liliane. José speaking, welcome on board. Nous décollerons dans quelques minutes et nous volerons à une altitude d'environ 10 000 mètres, 10,000 meters. Notre vitesse moyenne sera d'environ 120 km/h et nous arriverons à 19h40, heure locale. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Have a pleasant wish, pleasant fly. Oui, c'est bon, José, c'est bon. Allez, hein? La température extérieure sera de 27 degrés. Nous aurons quelques turbulences en approche de notre destination. It will shake a little bit. Hein, de... Bon, José, ça va. Hier soir, c'était bien. C'était... Mais là, ça va, c'est bon des mains. Allez, écoute. Bon, d'accord. Oh! We have a problem technique and it was... Arrête! Crotte! Tu sais pas t'arrêter, bon sang! Crotte! On y va, là, zut! Ah oui! Have a nice holiday! Bah oui, mais c'est toi qui fouilles dans le mur de merde avec tes conneries aussi, tes galons, là, zut! Oh là là, je flippe pour demain, là. Je pense à la route, les bouchons, les accidents. Fais chier, pourquoi je focalise là-dessus alors qu'on part en vacances? Je devrais être content, moi. Et parce que tu flippes tout le temps. Pour le boulot, pour Chloé, pour moi, quand tu pars, quand tu reviens, quand tout va bien, quand on a des problèmes. Oh là, mais t'as raison. Mais pourquoi je fais ça? Parce que t'es un mec angoissé. Oh mais oui, mais... Non mais c'est vrai ce que tu dis, là. Oh là là, c'est bizarre, quand tu me dis ça, ça me serre, là. T'angoisse. Oh mais oui. Oh, je... Mais c'est ça. Oh, j'angoisse. Oh, je suis pas bien. Oh, et je veux pas partir en vacances. Oh. Non. Oh, je suis pas bien. Mets ta ceinture. Ouais. Voilà. Ah, dis donc, ça te la gueule quand même, hein. Ça, je veux mon neveu. Puis comme ça, au moins, ils savent à qui ils ont affaire. Et voilà. Quoi? Quoi, tu sais pas lire, connard? Allez. Et voilà. C'est fini. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus rien à manger? Rien de rien? Non. On n'a même pas une demi-biscotte? Mais ça sert à rien, on part en vacances dans une heure, donc non. Non, mais attends, j'y crois pas. Et Poussin, ça fait un mois que je planifie tout ce qu'on mange pour rien jeter avant de partir, donc là, pas de gâchis, c'est de l'optimisation alimentaire. Et si j'avais encore un peu faim? J'ai tout prévu. Un demi-poivron. T'en veux pas? Le mange, hein? Ouais, tant pis. Mmh.
On est bien là, hein? Ah, dis donc, je t'ai jamais vu aussi détendu quand je conduis, hein? Qu'est-ce qui se passe? De rien, je viens d'accepter l'idée de mourir dans un accident de voiture avec la femme que j'aime. N'importe quoi, on va pas mourir, José. Enfin, écoute. Oh, comme c'est parti. Tiens, passe plutôt la troisième. Oui, si tu veux. Je reviens pas que je me laisse finir mon sandwich dans la voiture, quoi. Habituellement, c'est un temple. Oh là là, on ne mange pas dans la berline, on ne boit pas dans la berline. Oh, tout, 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 Camille, attention, hein. Pas de chaussures sales dans la berline. Eh, hey, mais ça, c'était avant, ça. Avant. Mm-hmm. Avant quoi? Avant que je t'apprenne à relativiser, c'est ça? Non, avant que j'achète un aspirateur rechargeable. Mais non. Mais si. Oh non! Ah si, si! Donc tu passeras un coup quand t'auras fini sur ton siège, hein? Puis t'oublieras pas le tapis de sol! Ouais, mais regarde ce que j'en fais maintenant, le tapis de sol! Oh! Mais je m'en fous! Hein. M'en fous, j'ai un aspirateur rechargeable! Bon, Emma, dépêche-toi là! À force, on va trouver du monde sur la route, hein! Bon, le gîte, ils le prennent pas. Les voisins sont pas là, mes parents sont allergiques. Du coup, j'ai appelé le chenil, 20 euros par jour. Ça nous fait 600 euros. On peut plus partir en vacances. C'est la merde. Ouais, mais on n'a pas de chien. Mais on n'a pas de chien. C'est vrai. Parce que j'en veux pas. Du coup, on peut partir en vacances. Yeah. Merci qui? Merci Emma. Ouais, c'est ça, ouais. Fais gaffe quand même, hein. Je pourrais très bien t'abandonner sur l'autoroute, moi. Tiens, ton jambon beurre. Merci ma poule. Les clés. Quoi? Le double. Ah, tes lunettes. Deuxième paire. Loupe de lecture. Bougie. Et du rite. Non mais attends, j'avais pas l'intention de me barrer sans toi, Guéguette. En méfiance et mère de sûreté, hein. Oh, ah. N'oublie pas de regonfler les pneus. Les quatre. Oh. Oh. So, ah voilà. Donc, on part de là. Mm-hmm. Tu vois, à partir de là, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On traverse ces deux vallées, là on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On arrive à ce petit lac, on en fait le tour, donc ça, ça va vite. Ensuite, on fait le tour de ce grand lac à côté. Tac, là on marche, on marche, on marche. Là, il y a un petit refuge, mais on s'arrête pas. Et là, ça grimpe, on marche, ça grimpe, on marche. On passe le premier col, attends, et là, on passe le deuxième col. Attends, parce que là, j'en peux déjà plus, là. Quoi? J'ai besoin d'une petite pause. On peut se faire la fin du parcours dans la voiture? Oui, bien sûr, oui. Cool. Ah. Attends, Poussin! Poussin! Les sacs! Poussin! Attends! Poussin! Poussin, aide-moi! Ah. Poussin, prends un sac! Aïe! Quand je pense qu'on vient de se taper 300 bornes pour revenir chercher tes plantes, là. Écoute, moi j'y suis pour rien si Marie-Catherine nous a plantées. J'ai trouvé personne de confiance pour les arroser. Moi, si elle meurt, je meurs, hein. Non, 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 arrête d'embêter papa quand il conduit. Hein, c'est dangereux. Alors, José, regarde comme elles sont contentes de partir en vacances avec nous. Hein, t'es contente, mon tata. Voilà. Oh, 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 excuse-moi, José. Ah. Très cher en même temps. Hein? Oh, Emma? Oui? À même pas 10 bornes, il y a une église romane du 12e siècle. D'une splendeur absolue. Ça te dérange qu'on fasse un petit détour pour aller la visiter? Ah ouais. Quoi? Ah, tu me demandes, je te réponds. Ouais, ça me dérange. Mais grave. Mais c'est quoi qui te dérange? C'est le mot visiter, c'est ça? Ah non, c'est toute la phrase. Avec
église du 12e siècle, des tours, 10 bornes. Bon, bien sûr, visiter. Et alors, tant que j'y suis, il y a d'autres mots qui me dérangent. Il y a admirer, abbaye, château, Moyen-Âge, magnifique. Non mais, qu'est-ce qui t'a pris? D'habitude, tu les détestes, les autostoppeurs. J'avais envie d'un petit avant-goût de camping. Mais remarque, deux Hollandais purs jus, ça fait tout de suite vacances. Bah voilà. Merci, hein. Ouais. Beaucoup gentil. Merci. Pas facile. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas facile de marcher. Ça va, ça roule? Ouais, mais il y a du monde, hein. C'est le grand départ, là. C'est incroyable le nombre d'étrangers qui viennent passer leurs vacances en France. Regarde ça, regarde. Il y a des Allemands partout. C'est dingue. Regarde. Il y a même des panneaux en allemand. Oui. On est en Allemagne, poussin. De quoi? Oh putain, d'accord. Ah oui, bon, bah on n'est pas arrivé alors. Par contre, la musique est pas mal du coup. I like good. Ah, c'est pas mal ça, tout ça, non? Regarde. Absolument. Oh là là, attention. C'est trop mignon ici. J'adore ça, c'est la clé. Allez hop. Camille. J'avais pas bien compris le concept des toilettes sèches, mais là, je crois que ça y est, tu vois. Ça me donne envie de vomir. Oh là là, tout de suite. C'est naturel, tu sais. Et puis en plus, c'est très bien, ça fait du compost. Enfin, Camille, le principe, ça reste quand même de faire caca dans le même bac en bois que tout le monde. Oui, bah ça va, tu verras, on s'y habitue très très bien. Allez, va te prendre une douche, mon doudou. Ça va te faire du bien. Ouais, c'est ça, t'as raison. Il y a des lavoirs dehors. Oh, j'ai pas compris. Oui, il récupère l'eau de pluie. Non mais Philippe, c'est pas une thalasso, c'est une retraite spirituelle. Je suppose qu'elle est froide. Je sens que je vais l'adorer cette semaine. Moi aussi. Mais alors, mais à un point, mais... Très bonne visite, monsieur. Merci. Bon, sinon, si tu préfères, il y a la ferme aux autruches. Bon, d'accord. Alors, deux places pour le musée des tapisseries. Bonjour, oui. Oui. Ah, excusez-moi. Je vois que vous avez un tarif accompagnateur, là. Oui. Ouais, non, parce que moi les tapis... Alors que ma femme, ça l'intéresse. Et moi, j'accompagne, en fait, vous voyez. J'accompagne, quoi. Voilà. Oui, mais il s'agit d'un tarif pour les personnes qui accompagnent les handicapés, monsieur. Ah, bah alors, dans ce cas-là, c'est plutôt moi, l'accompagnatrice. Ah, pardon, j'avais pas remarqué. C'est sympa, le ricochet. Tu aimes faire le ricochet? Non, j'aime pas. Mais pourquoi tu fais le ricochet? Parce que ma femme se baigne là-bas. T'as pas vu, ce connard? Touché. The English. J'adore le printemps. C'est ma saison préférée. Ah, ça, c'est mon allergie au pollen qui revient. Tu veux pas me passer le volant parce que c'est une pause toutes les deux heures normalement. Non mais ça va, je peux encore tenir le coup, t'inquiète. Non mais passe-moi le volant parce que c'est moi, il faut que je me repose. Passe-moi le volant. Quoi? Pitié. Oh. Je suis sorti. Oui bah deux secondes. Doucement. Il est à noter que les commanditaires des grands cycles de tapisserie étaient l'église et le roi. Apprécié pour l'amélioration du confort dans les grands lieux de culte et de vie,
Elles offraient une meilleure isolation thermique, en conservant la chaleur et en protégeant des courants d'air, notamment dans les églises. M'énervez, monsieur, je sais tout, là. Genre, je connais les châteaux mieux que tout le monde. Sert aussi à réchauffer une pièce et surtout à refléter les mœurs et mentalités d'une époque. En l'occurrence, le 17e siècle. 18e siècle, excusez-moi. Bah faut le savoir. C'est pas tout à fait la même chose non plus, hein. Alors, on peut se tromper d'un siècle comme ça, alors vas-y, ça gêne personne. Et il me semble, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, il me semble, quand on a la prétention d'être un guide, hein, la moindre des choses, c'est de réviser ses siècles. Alors, 17e, 18e, c'est 18e siècle. Merci. Voilà. Donc, cette tapisserie représente une scène à la cour d'Italie. Bien sûr. Pardon, c'est pas la cour d'Espagne? Ou la cour de Suisse? Ou la courgette? La courgette. Bon, il faut savoir, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que cette tapisserie a été réalisée avec la technique... Moi, oulala. Pardon, excusez-moi. Quand tu regardes la nature... Ouais, pareil, je suis super d'accord avec toi. Sauciflard? Et hop. Et bam. Oh, souffrir. Antoine? Oh ben, ça me fait plaisir de te voir. Oh, mon Huguette, j'ai appris que t'étais arrivée, alors... me voilà. Ben oui, je vois ça, oui. Voilà. Et alors ben, alors... tu te souviens, l'été dernier, on avait discuté et puis tu m'as dit « reviens l'année prochaine ». Ah oui, je t'avais dit ça, oui. Mais comme tu peux le constater, il est encore là. Hein? Je vois. Ah oui. Et puis, moi je t'avais rien promis et puis je pouvais pas prévoir. Bah oui, je sais, mais en même temps, j'avais un peu espoir. Ah ouais. Ça va, je vous dérange pas trop? Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi te dire, moi. Repasse. Dans un mois? Au mois d'août? Plutôt l'été prochain. Hein? Ah oui, parce que tu sais, avec les bronches fragiles qu'il a, si jamais l'hiver est de notre côté et qu'il est rigoureux... Ah bon, d'accord. Bon, bah, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Et on croise les doigts, hein? Oui. Oh, my yes. Oh. Raymond, tu en brises des cœurs. Les prochaines. Le pauvre. Il tiendra jamais. Non mais je pensais à un truc là. Nous on est plus mer que montagne. Enfin nous on aime les gens, on aime la teuf, on kiffe ça, non? Attends, où tu veux en venir là? Bah, la rando, juste tous les deux, seuls dans la montagne, c'est un peu bof-bof, non? Mais pourquoi tu m'as dit oui quand je t'ai proposé, alors? Bah, je me rends compte que c'était pour te faire plaisir, voilà. Oh, non, mais on est à 1 km de l'arrivée, là, on a roulé pendant 7 heures, sérieux? Oui, bah, moi, la voiture, ça me fait réfléchir, écoute. Non, mais positivement, si ça se trouve, ça sera pas si pourri que ça, mais... J'ai du mal à y croire. Tiens, ça va être cool. Je le sens. Mais bon... Philippe, ça suffit, tu viens maintenant. On commence à te les tâcher dans la yourte, là. Oui, attends, ma chérie, je profite du panorama. Tu devrais venir voir, c'est incroyable, quoi. C'est beau. Non, mais il n'y a pas de réseau là-haut non plus, Philippe. C'est une zone blanche ici, c'est fait exprès. Bordel de conneries de vérole de chien. Eh ben, merci. Oh, j'en ai marre. Bien, ici, c'est la règle des 3 S. Sécurité, sécurité, sécurité. Alors les intrépides et les téméraires, hein, on se calme. Hein, bonhomme? Hein, à moi? Oui. Tu m'as l'air d'un casse-cou, toi. Non. Si. Je la reconnais, les trompes à mort, hein. Hein, j'ai l'œil pour ça. Dis d'ailleurs, tu as passé le premier. Allez, non. Suis-moi. Ah oh, bah, il t'a bien cerné, là. Il vient? Il arrive? Oh, on est bien là.
Non mais regarde-moi cette mer, ces falaises. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si c'est pour dire des banalités pareilles, on aurait pu rester à la maison. Bah non. Ah bah oui, non. Bah oui. Cette scène de chasse peut être considérée comme une allégorie de l'amour. Magnifique. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Comment ça se passe pour changer les ampoules? Parce qu'avec la hauteur du plafond, ça doit pas être de la tarte, hein? Je pensais plutôt à une question historique. Comme vous savez, il n'y avait pas l'électricité à cette époque-là. Alors, comment ça se passait pour changer les bougies? Bon, je vous invite à vous tourner vers cette magnifique tapisserie. Non, je comprends pas, elle était très bien ta question. Moi, ça m'intéresse, je t'assure. Ouais. En tout cas, c'est vraiment sympa ce coin. C'est super mignon, c'est... Ouais, c'est un peu paumé. Hein. Ouais, mais vous savez, pour les citadins comme nous... La campagne, de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Voilà. Puis de rencontrer des gens simples, comme vous, ça... Vraiment, vraiment. C'est la première fois que vous venez. Mmh. Ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à force de faire le tour du monde, on connaît très très mal notre pays, quoi. Ouais. Du coup, on s'est dit, allez, cette année, on part en France. Ouais. Pourquoi courir le monde alors qu'on a tout ici? C'est... Regarde, regarde. C'est... Et sinon, vous avez fait quoi comme voyage récemment? L'année dernière, on était en Inde. Ah, l'Inde. Magnifique, hein? Ouais, vraiment. Magnifique. Vous étiez où? Delhi, Bombay. Ouais, et Rajasthan. Ouais, c'est... Ça, le Rajasthan, c'est... C'est juste magnifique, hein, faut voir ça. Hein. Ah bon? Mais vous connaissez? Un peu, j'ai fait l'Inde du nord au sud. Puis après, je suis parti vers l'ouest, à Goa, pour la full moon. Hein? Bon. Ok. Non, parce que sinon, on connaît très bien aussi Londres, l'Espagne, la Grèce, puis les States, évidemment. Et New York. Ouais. New York, c'est top comme ville. Hein. Ouais. J'y étais il y a 2 ans. Incroyable. Ah. Ils ont montré des photos, d'ailleurs. Tu vas voir. Oh, mais il a une tablette. Oh. Alors... Là, New York, Sydney... Attends, fais voir. Mais c'est Jay-Z et Rihanna, là, avec toi? Ah, eux, ouais, bon, ils m'ont saoulé. Hein. D'ailleurs, je trouve que les fêtes à New York, ça baisse un peu. Hein. Attends, regarde, Sydney, voilà, ça, Sydney, ça bouge, voilà. Attends, regarde, Hong Kong, un autre niveau aussi. Hein. Et là, ma préférée, Bogota. J'ai fait des fêtes cet hiver à Bogota. Vous connaissez Bogota, non? Non, on ne connaît pas Bogota. Non. Non, bah, nous, l'hiver, on a un vrai métier, voilà, donc on ne peut pas voyager n'importe où, n'importe comment. C'est dommage. Hmm. Bon, bah, je vais y aller, moi. Hmm. En tout cas, si vous repassez, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Hmm. En général, je suis en bas dans le ballon, là. D'accord. Vraiment, ça me fait plaisir de parler des gens simples comme vous. Ça fait du bien de temps en temps, c'est bien. Allez, profitez, hein. Ça marche? Ouais. Ça retourne avec tes moutons, là. Ah, quel pouc. David! Guetta! Capitaine! Et là, après le pont de singe, pour finir le parcours en beauté, descente en tyrolienne jusqu'à l'arrivée! 10 mètres de dénivelé sur 50 mètres! Ça arrache! Ah ouais, mais non. Allez! Non, ça va pas être possible, je fais pas ça moi, non. Désolé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas obligé. Ah, génial! Et les autres trucs alors? Le pont de singe là, c'est obligé? Non! Le filet des pirates? Non! En fait, on est obligé à rien! Ben non! Ah ben je fais rien alors! Non, Ah ben vous allez pouvoir me rendre l'harnais alors! Ah c'est obligé? Non! Oh ben je les garde alors! Ça te dirait? Un petit foot. Oh, Jackie, un petit foot, ça te dirait? Non, merci, Philippe. Oh, c'est pas vrai, quoi. Un petit foot, quoi. Et Bernard, un foot. Tu veux jouer au foot, toi? Bah, ouais. Pourquoi pas. Et 16h, après l'atelier mandala, ok? Excusez-moi, tu fais quoi, là? Rien. T'es pas encore en train de saouler tout le monde avec ton foot, Philippe? Non, parce que c'est pas le concept, je te rappelle. Tout le monde est là pour méditer, okay? J'en peux plus, Camille, quoi. J'ai besoin de me défouler, je peux pas introspecter toute la journée. Je suis pas un bon, Camille. Toi, je suis pas un bon, Philippe.
C'est toi qui proposes à tout le monde de faire un foot? Pas du tout. Oui, si. Non, si. Pas du tout. Je te propose d'aller méditer 2 heures dans le grand tipi céleste. Non, mais tu sais où tu peux te le carrer, ton tipi? Non, ça va pas ou quoi? Excusez-le. Hein. Ça va pas ou quoi? Il débute, hein, Calorine Pucci. Camille, quand même. Oui, mais... Quand même. Ah oui, quand même. Reprends. T'es fier, hein, ma poule? Il y a de quoi? Oui, oui. Enfin, on en reparlera en juillet. Hein? Pourquoi? Il y aura des jeunes. Dis donc, je suis contente, hein? Ça t'intéresse, là, hein? Vous savez que Schloss, ça veut dire château? Ah non, première nouvelle? Non, parce que je me fais bien chier, hein, comme d'habitude. Alors du coup, j'ai écouté le truc en allemand. Oh. Et le gars, il arrête pas de dire « Das Schloss von Chaussigny mm-hmm. ». Schloss von Chaussigny, oui, Schloss d'accord. Château, oui. Alors, ça moi, veut dire... Moi, je continue la visite, hein, pardon, hein, mais moi, ça m'intéresse. Hein. Bah, Liane ah. Et là, attends, tiens-toi bien. En japonais, ça se dit « Shiro wow, ». Et alors, en russe, ça se dit « Zarek ». Alors cette journée, ça a été? Vous avez fait une belle balade? Ah non, on n'a pas bougé. Marion a voulu faire un battle de regard avec un âne et ce genre de truc, on sait quand ça commence et je sais pas quand ça finit, quoi. Ah, ouais. Depuis ce matin, ça? Bah, oui. Bon. Bonne chance. Bon, Marion, on y va, là! On n'a pas fini. Vas-y, baisse les yeux, là. Baisse les yeux. Je vais y arriver, hein. Je te jure que je vais y arriver, Poussin. Baisse les yeux. Vas-y, baisse les yeux. Moi, j'ai tout mon temps, hein. Eh, n'empêche que j'ai gagné, Poussin. Fais gaffe, hein. Je sais où t'habites. Attends-moi, Poussin. Chiant. Ah, la saloperie, hein. Elle faisait moins les malignes en 78, hein? Ah, ça? Tu te souviens, Juliette? Vivement la prochaine marée noire! Ah, ma ça. Dibi-dibi-dibi-dip! Allô? Oui, comment ça va? Ben écoute, nous, tout se passe bien. Voilà, on est arrivé il y a 3 jours, on fait notre petite retraite spirituelle, là, dans la nature. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, quitte pas. Oui, qu'est-ce qui... Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi? Je dérange personne, là. Oh, non, mais Philippe, cette retraite, c'est pas n'importe quoi, hein. Ben, c'est pour retrouver un petit peu d'harmonie en soi. Mais si je me sens bien en faisant ça, ben, j'ai le droit. Ouais, c'est Camille, ouais, elle est à côté de moi. Oui, elle va bien. Oui. Il passe le bonjour. Bon, tu me saoules, là, ouais. Je te jure. Attends. Non, mais si c'est comme ça, Philippe, on rentre demain. Je t'entends pas, il y a Camille qui parle en même temps. Oui, bah comme je te disais, tout va bien. On est en pleine cambrousse, au milieu de nulle part, on capte rien du tout et on dort. Dans des yourtes, voilà. Ah, a priori, on pourrait peut-être rentrer plus tôt que prévu. Mais c'est à confirmer, je te laisse, j'ai un double appel. Allô, oui, comment ça va? Bon, ok les guys, petit brief secure. Niveau matos, c'est rive pour tout le monde, hein. Les mousquetons, clac, clac, on accroche, on décroche, ça c'est easy. À plus tard les questions, la routine. Mais le plus important les guys, hein, c'est kiffer. Kiffer quoi, on n'a qu'une life, alors on y va, on s'amuse, plaisir, bonheur. Je vois qu'on a trouvé le petit rigolo du groupe. Eh ben, va passer le premier, le petit rigolo. Non, mais je déconne, c'est pour rire. Oui, la tyrolienne aussi, c'est marrant. Allez, enjoy. Mais. Attends, mais est-ce que je déconne, moi? Ah bah, hé. Quand même! Bon, tu arrêtes, José, là, arrête! Attends, c'est rigolo! Non, ça agace tout le monde! Oh non! Hein? Bon, nous allons maintenant passer au tableau suivant. Ah. Celui du marquis de Bourdennec. Mais avant de commencer, peut-être que monsieur a encore une ressemblance à trouver, là, je sais pas. De Gaulle? Peggy la cochonne?
Vos amis? Jean-Pierre, là, et Chamard? Ah, Chamard, attends, c'est pas mon ami. Non, moi, je dirais plutôt... Arrête maintenant! Attends, monsieur Lucullement. Non, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Alors, donc, j'en étais où? Oui, le marquis de Bourdennec. Mm-hmm. Qui était donc marquis, hein, il est né... quand il fallait être né. Excusez-moi, voulez-vous arrêter votre barbecue? It is insupportable. On s'en prend plein la gueule tout le midi. Et en plus, entre nous, je ne sais pas comment vous faites parce que le maquereau, c'est quand même dégueulasse. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Milord. C'est pour ça qu'on n'en mange jamais, nous. C'est prêt. À table, Milord. Pauvre con. Lucky hell! Tu vois, même quand ils nous envoient chier, ils ont la classe, ces gens-là. C'est même moi le gros. Ça va? Ouais. J'en ai marre de marcher! J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. En plus, je peux même pas me la péter en postant des photos sur Facebook, y a pas de réseau. Oh, je te jure, c'est vraiment un endroit de merde. Bon, merci. Écoute, Poussin, profite-en, c'est super beau, pardon. Hein. Oh, y a pas de mal. En même temps, je la comprends, j'étais dans le même état que toi normalement ici, moi. Ah, mais attends, t'es pas d'Avalé là-bas? Non, moi je suis de la ville, moi. Je vais tout plaquer pour venir ici, élever les moutons. Bah, tu vois, Poussin, même un citadin peut s'adapter, donc. En même temps, je reconnais ce qui m'a aidé, c'est d'installer le wifi dans les champs. J'ai mis une puce sur chaque mouton, comme ça je peux les géolocaliser. Regarde, bouge pas, je te montre. Ah oui, d'accord, donc les moutons, ils ont du réseau et pas moi, quoi. Ah bah tiens, si tu veux utiliser Facebook, vas-y, n'hésite pas. Hein. Oh, merci. Pas de problème. Oh, génial. Ah, pardon, attends, ça sonne, c'est pour moi. Ah, là, je crois que j'ai deux moutons qui se font la malle, là, ils sont où, là? Bob, hein? Sinclair. Bob Sinclair. Bob Sinclair. Ça, c'est des moutons. Parce que quand on y réfléchit, c'est contre nature ce qu'on fait là. On n'est plus des primates. Hein. On a mis des millions d'années à descendre de l'arbre, c'est pas pour y remonter. On va à contre-courant de l'évolution là. Et moi en tant qu'homme, et je parle de l'homme avec un grand H, hein, je refuse d'aller contre l'évolution naturelle de l'être humain. Renouer. Ouais. Connecte-toi plus avec l'origan et le basilic qui est en toi. Duram duana isha zimda ramifitaza eyusham. Dites-moi, c'est vous qui la faites cette tisane là? Vous êtes distribué comment? Hein? Parce que je pourrais vous distribuer chez une grosse pharmacie. Non, mais j'ai 10 mètres de linéaire. Oh. Ah, ça pourrait cartonner. Mais si on fait affaire, je veux l'exclusivité. Hein. Non, c'est réservé aux participants à la retraite. Non, allez. On médite. Non, s'il vous plaît, justement. Allez, moi, j'ai eu cette idée en méditant. Allez, à 60, 30. Allez. Ça suffit, là, non. Excusez-moi, je me suis un peu énervé. On reprend. Jean-Pierre, basilic origan. Adouramda Shimaradavunda. 70-30. D'accord, ok. 70-30. Chouchou beignet. Diabète, cholestérol. Chouchou beignet. Diabète, cholestérol. Chouchou, beignet. Diabète, cholestérol. Vieux con. Un diabète, mon cholestérol. Chouchou, beignet. C'est le lit de la reine, hein. Y a pas de problème plus. En revanche, là-bas, c'est le lit de sa sœur. C'est très intéressant. Viens, tu peux sortir. Sors maintenant. C'est un lit, hein. Oui, pour dormir.
Voilà, aussi. 340, il n'y a pas de choix. Tu vas aller voir le lit du roi. Hein? Oh ouais. Oh, c'est marrant, j'aurais pas fixé ça comme ça, moi. Pourquoi? C'est pas bien fixé? Ça va tomber, là? Non, ça devrait tenir. T'es sûr, hein? Oh, en même temps, si tu le fais, c'est que t'es pas inquiète. Bon. Tu sais, moi, je pèse 45 kilos, alors. Non, mais jusqu'à combien ça tient, Emma? Oh! Je suis trop lourd ou je suis pas trop lourd? Emma! Incroyable d'être recentré comme ça au bout de 5 jours. Oh, bah tu vois. Oh, c'est beau! Décidément, tu ne peux pas te passer de ton tonton et de ta tata plus d'une semaine, toi. Hein. Fuyez mon épée, José Lelas! Que... Regarde, ville Manon! C'est toi le chien! Désolé. 72 km à pied, ça use! 72 km à pied, ça use les souliers! Bonjour. Bonjour. Mathias? Mathias, c'est toi? Mais attends, mais c'est ouf! Non, désolé, je suis pas Mathias. Mais attends, mais bien sûr, Mathias! Non, je ne suis pas Mathias. Mais on s'en fout, j'ai vu personne depuis 4 jours, ok? Hein? Tu fais quoi, t'en es où? T'habites où? Raconte-moi un petit peu. Allez, dis-moi ta vie, tu pars en vacances cet hiver? Mais parle-moi, Mathias! Elle est folle! Mais parle-moi, mais dis-lui qui me parle! Mais je veux qu'il me parle! Mais réponds-moi, Mathias! Réponds-moi, quelqu'un! Qu'est-ce qui t'arrive? Figure-toi, ma poule, que tout à l'heure, sur la plage, on m'a pris pour un Italien. Oui, madame, un Italien. Tu te rends compte? Moi, Italien. Italien, non. Franchement, si t'avais peur à ce point-là, fallait pas venir. Oh, pourquoi tu dis ça? Pour rien. Ouh. Alors, je m'éclate, moi. C'est quoi ce canot? C'est mon parachute. Ah. Hop, sécurité. Tac. J'espère que vous n'êtes pas pressé derrière. Tac. Ah, oh pardon, c'est pas à moi. Hop là, sécurité. Ah, je suis bien Camille, là. Je suis vraiment, je suis très heureux. T'avais raison pour cette retraite spirituelle, ça m'a calmé. J'ai plus de colère, quoi. C'est fou. Ouais. Bonjour, ça va bien? Incroyable d'être recentré comme ça au bout de 5 jours. Oh, bah tu vois. Ouais. Puis il m'arrive des trucs de dingue, de reconnexion avec la nature. Tu sais que ce matin, j'ai même chialé en embrassant un arbre. Non mais est-ce que tu te rends compte de ça? Oh, je suis contente de partager tout ça avec toi, mon doudou. Oh, et moi, doudou. Mmh. Mais je te rends toujours pas ton portable. Non. La retraite, c'est 7 jours. 7 jours. Allez, courage. Il n'y a aucun problème. Mmh. Et bonjour, c'est ça, ouais. Ah non, mais franchement, j'en reviens toujours pas. Hein. Débarquer comme ça sans prévenir. Décidément, tu ne peux pas te passer de ton tonton et de ta tata plus d'une semaine, toi. Hein. Con. Je m'en fous de vous, moi. Je suis venu pour le soleil, les nanars. Non, tu réalises quand même qu'on est en Bretagne. Et dans un camping de vieux. Et alors? Bah rien. Ça commence. Venez. Bon appétit. Oh là là. Ah.
Ta moumoute est de travers. Ta braguette est ouverte. Tête d'œuf. Tu fais quoi, là? Rien. Non, parce que j'ai lu à l'entrée que... Il paraît que l'acoustique de la pièce est tellement bien foutue que quand tu parles contre la voûte, là, t'entends le son distinctement de l'autre côté de la pièce. Oui. Tu plus du cul. Oh, je suis... Mais t'as quel âge? Oh, ça va, on peut pas savoir que c'est moi qui parle, hein. Elle est bonne, ta femme. Ah ben si. Répète pour voir. Elle est bonne, ta femme. Merci. C'est un plaisir. Oh, c'est beau. Oh, c'est ouais. Magnifique, ça, là-haut. Oh, carrément. Oh là là, génial. Ouf. C'est trop cool de t'avoir rencontré, hein. Ouais. Parce que hier, on a marché 2 heures que tous les deux. Au bout d'un moment, on avait vraiment besoin de convivialité. Parce que nous, la nature, on aime bien, mais tu vois, nous, ce qu'on préfère, c'est parler, discuter, échanger, faire la fête, rigoler, quoi. Et tu le fais souvent, ce parcours, là? Tous les ans, depuis 5 ans. Oh, ouais. Ouh, ah bah dis donc. T'es fan du coin, quoi? Pas vraiment, non. C'est un pèlerinage. Hein? Vous voyez, là-haut, là, justement? Ah ouais, ouais. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Bah, c'est là-haut que j'ai vu pour la dernière fois ma femme. On était au sommet, on faisait les cons. Puis pour rigoler, je l'ai poussée comme ça. Et... Je savais pas qu'elle tomberait. Puis paf, elle a dévalé 2000 mètres. Tout ce qui me reste d'elle. Bon, du coup, quand je fais la montée, je reviens comme ça pour revivre les derniers moments que j'ai eus avec ma femme. Oui, bien sûr. Et. Enfin bref, c'est bon que vous soyez là. Non, parce que sur le dernier quart, des fois, j'ai besoin qu'on me porte. Allez. Non, mais ça va, ça va. Oui. Allez, ça va. Allez, on y retourne, allez. Allez, on y va. C'est bien. Ouh. Hey. Chaton, y a personne en vue. Ça dirait pas de vite fait. Chaton, tu galères déjà pour me dégrafer mon soutien-gorge. Alors un harnais. Oui, bon, allez, avance. Ah, merde. Tu vois, Guéguette, on est comme ces blocos, vestiges du passé abandonné sur la plage. Ils se sont crus longtemps indestructibles, et puis finalement, quoi. Ce sont des coquilles vides que l'on s'attend à voir disparaître. Ouais, peut-être, ouais. Mais on sent quand même moins la pisse. Bonjour. Oui, bonjour, je viens récupérer mon mari. Vous êtes la femme de... Ah oui, José. Ah oui, José. José ? José ! Oui ? Votre femme est là ! Déjà ! Dis donc, il a plein d'énergie. Une vraie pile électrique. Ah oui, 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 oui. T'as déjà fini ta visite ? Bah oui ! Oh, je m'amuse bien, moi, ici. Hein. T'as pas revisité un coup ? Bah, je sais pas si... C'est possible de le garder encore un petit peu ? Bah, je suis là pour ça. Ah bah super ! Merci. Ah, vous fuyez mon épée, José le lâche ! Que... Regarde, vive Manon ! C'est mes yeux. À tout à l'heure. Et si on faisait un cache-cache? Ah ouais, génial. Attendez, non. Bah pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas 5 ans. Ah, c'est Philippe. Ah ouais. 1, 2, 3, soleil alors.
Oh ouais, j'adore. Ouais, non, 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 toujours pas, non. On n'a pas envie de jouer un jeu à la con. Non. Ouais. Chat. On a qu'à jouer à chat. Oh, trop classe. Ah ouais, c'est vrai que chat, ouais, c'est pas du tout un jeu à la con. Il y a de la stratégie, tu ouais, vois. Ouais, c'est vrai, c'est ouais, clair, c'est clair. Il s'agit pas juste de courir dans tous les sens comme des débiles dans la forêt. Non, 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 on pourrait croire ça, mais ouais, en fait... Ouais. Ouais. C'est toi le chat. Ouais, carrément. Oh bah non, désolé, non. Bah, non. T'es là, écoute. Ah, vas-y, parce que... Ah, ouais, non. Oui. Bon, ouais, c'est moi le chat. Hein. J'arrive là. T'es sûr? Parce que je conduis mal, hein. Oui, Camille, tu me l'as déjà dit, ça. Oui, mais bon, moi, je pense que l'examinateur qui m'a filé mon permis, il s'est planté, hein. Camille, j'ai perdu mes lunettes dans cette putain de yourte, je vois plus rien, donc je suis obligé de te laisser conduire. Alors, s'il te plaît, vas-y, démarre. D'accord, mais je t'aurais prévenu, je conduis hyper mal. Non, mais un vrai danger public. Même moi, j'ai peur. Bon, alors, hop. Lumière. Désolé. Oh, mais moi... C'est pas grave, attends, on va refaire. Tu te souviens, Guéguette, quand on était jeunes et qu'on n'avait pas de compte sous les pieds, hein? Et qu'on se cramait les pieds sur le sable. Aïe, 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 aïe. Bah tu vois, ça a du bon de vieillir parfois. C'est vrai. Eh, regarde. Eh, regardez. C'est là. Le ciel est infini. Ah oui, il me semble infini comme notre amour. Tu sais que si j'avais une échelle, eh bien, j'irais jusqu'au firmament pour te cueillir un bouquet d'étoiles. Et moi, si j'avais une échelle, j'irais sur le toit du monde, je te décrocherais le soleil et je t'en ferais une couronne. J'attends. J'attends. Ouais, non, c'est beau. J'ai un truc? Non, 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 rien, c'est juste ma femme. Celle que t'as poussée, celle qui est morte? Ouais, c'était une grande blague en fait. Elle avait les petits cheveux courts. Elle te ressemblait beaucoup. Mais je veux pas t'embêter avec ça. Non, mais attends, enfin, à ce point-là? Ah ouais, non, t'es carrément sans solide, quoi, mais en mec, hein, bien sûr. Elle te manque, hein. Attends, je pense à un truc. Ça t'aiderait si Cédric te faisait un petit câlin? Mais quoi? Si ça peut lui faire du bien. Ça te ferait du bien. Je sais pas, peut-être, ouais. Oh. Bon, allez, vas-y. Bon, Cédric, allez. Allez, hein, faites oui. Fort. Oh. Oh, Mathilde. Oh, c'est beau ce qui se passe, les mecs, là. Oh, Mathilde, viens. Viens, Mathilde. Viens. Pousse, hein, pousse, viens. Pousse. Mathilde, viens. Non, Mathilde, viens. Viens, Mathilde. Pousse. Oui, vas-y, Mathilde. Viens, Mathilde. Regarde. Ah, Mathilde. Oh, c'est là. Oh, putain, ici. C'est beau, vous me faites chialer, là, les mecs. Mathilde. Pousse. Oh, j'ai peur. Pousse, hein. J'ai peur. Oh, putain. Ah, ça m'émeut, moi, c'est... Mathilde. Ah, tiens, ils annoncent l'embouteillage dans 2 km. Ah oui? Tu mettras tes warnings, ma Lily? Les warnings, quoi, les feux de détresse. Mais merci, je sais ce que c'est que des warnings, quand même. Je sais pas où c'est, quoi. Bah si, je sais où c'est, quand même. Ça, c'est la radio. Oui, eh ben alors, j'ai pas le droit de mettre de la musique, hein, pour détendre l'atmosphère, parce que tu me stresses, là. Arrête! Ça, c'est les phares. Oui. Oh, oh. Ça, c'est le dégivrage automatique. Mais c'est bien en été de dégivrer, on sait jamais, hein. Ça, c'est la fermeture centralisée des portes. Hein. Ah bah c'est bien, tu viens d'ouvrir le capot à l'avant.
Mais roulons le capot ouvert, hein, en été, on est mieux. Non, c'est là, voilà, c'est là. Là, oui, je sais, c'est là. Mais pardon, c'est mes warnings, hein, c'est ma voiture, j'allume quand je veux. Voilà, là, je l'allume, voilà, ici, je l'éteins, je veux. Et si je le rallume, je veux. Voilà, c'est moi qui le suis. Là, j'éteins, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas encore. Mais mêlez, mêlez maintenant, mêlez, oh, mêlez. Bon, tu vois un ralentissement, tu vois un ralentissement. Non, bon, alors voilà. Qu'est-ce que tu viens m'embêter, là, dans ma voiture? Attends. Bah. T'as bien dormi? Bah, pas terrible, non. Hein? Faut dire que vous avez pas été trop discrète à ta tête, toi, cette nuit, hein? Bah, hein, ouais. Tatar? Sur le compte. Hein? Cette nuit? Quoi? Bah, vous avez fait du bruit? Mais pas du tout. Le seul truc qui fait du bruit dans la caravane, c'est la clim. Ah ouais? Bah, bon. Et c'est peut-être la clim qui fait. Bah oui. Ah bon? Oui. Non, bon. Faut vraiment qu'on fasse son éducation, hein, parce que ouais. Là. Et on. T'en mets, hein? Ouais, parce que j'aime pas le pain. Oh, ça me rend dingue, ces bouchons. Bah ouais. Oh là là, moi je trouve ça beau. Tu trouves ça beau, toi? Bah ouais, regarde, quoi. Tu vois, on est tous dans la même galère, là. Nous, dans ta belle berline, la famille, là-bas, dans son monospace, les jeunes, là, dans leur caisse pourrie. Tu vois, dans les bouchons, eh ben, il n'y a plus de riches, de pauvres, de jeunes, de vieux, de noirs, de blancs, non, on est tous pareils. Tu vois, les bouchons, c'est une machine à égalité. C'est la France, quoi. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez, hey, tu peux y arriver, ma puce. Ouais. Ouais. Super. Ouais. 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 Super. Elle a une culotte spéciale. Bon, Lulu, descends, on va faire les rondins plutôt. Oh oui. Ouais, super. Ouais, voilà. Super. Super. Ah, respire, ma poule. Ah oui, c'est bon, c'est beau. C'est... Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez me prendre en photo avec ma femme? Bien sûr. Oh, c'est gentil. Merci. Mais vous n'avez pas d'appareil photo ou de téléphone? Prenez-la avec votre appareil. D'accord. Voilà. Viens, souris, ma poule, souris. Attention. Ah, souris, cheese. Ah. C'est bon. Merci. Je vous l'envoie... Ah non, non, non! La photo, c'est pour vous! C'est cadeau! Vous n'avez pas envie d'avoir la photo d'un couple de vieux dans votre téléphone? Hein? Eh ben oui! Petit bonhomme! Allez, viens, toi! Ils sont incroyables! 312 km à pied! Ça use! Ça use! 312 km à pied! Ça use les souliers! 313 km à pied! Bon, c'est bon, Mario, arrête là! Arrête. Dis donc, j'en voulais pas de la rando, hein! C'est toi qui as insisté! Alors si j'ai même plus le droit de chanter, ça va maintenant, hein. 314 km. Allez, allez, t'as gagné, on rentre. Ah. Non. 313 km à pied. Ça use, ça use. 313 km à pied. Ça use les souliers. 313 km à pied. On est arrivé? Non, non, je me suis arrêtée pour prendre de l'essence. Vous avez dormi comme des bébés, hein? 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 On est en confiance, hein, quand c'est Lily qui conduit. Hein? Allez, à tout de suite. C'est à quel moment vous êtes tombé dans les pommes, vous? Au premier virage. Et vous? Juste après. On a croisé un camion, j'ai cru que vous alliez se le prendre. Finalement, je vais descendre ici. Non, 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 c'est elle va mal le prendre, sinon. Vous ne fallait pas prendre le volant, vous? Alors, ça c'est fait. Alors, elle est où ma trappe? Ah, essence déjà, voilà.
Oui, et plus que 300 km, hein? Allez, va chercher. Va. Allez, allez. Comment il s'appelle votre chien? Elvis. Ah. Et le vôtre? Kiki. Ah, il s'appelait Kiki. Parce qu'il est mort, le pauvre. Mais... Non, mais j'ai un neveu. Mais c'est pas pareil, il est sympathique. Il est con. Hey, voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, va chercher, vite. Allez, va chercher. Va, allez, vas-y. Oh là, va mal, oh là, va mal. Elvis. Allez, avance, avance, avance. C'est bien, c'est bien. Allez, non, non, laisse le chien. Non, on te parle. Allez, va. Oh, qu'il est mignon. Moi aussi. Où ça? Oh, c'est beau, une étoile filante. C'est super beau. Et pourtant, c'est rien d'autre que météorite de la taille d'un petit pois. Le truc, c'est qu'en pénétrant à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre, elle s'échauffe jusqu'à 3000 degrés. Du coup, elle devient incandescente et laisse derrière elle une traînée de gaz. Et c'est ce bref éclair de lumière qu'on cherche tous à percevoir. C'est dingue quand même. Tu connais un de ces paquets de trucs. Puis t'expliques hyper bien en plus, hein. Non, des fois, je me demande ce que tu fais avec des gens comme nous. C'est vrai, ça doit pas être facile pour toi. Hein. En même temps, s'il était si intelligent, il fréquenterait que des gens hyper intelligents. Non, mais c'est vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est que parfois, le seul moyen pour avoir l'air intelligent, c'est de fréquenter des gens un petit peu cons. Ça se tient. C'est pas con, hein? Ouais, carrément. C'est... Oh, c'est bien fait, quand même. Tu vois, tu mets une capsule, tu serres, t'appuies, et hop, un café. Oh. Eh ben, tu vois que ça t'a fait du bien, finalement, cette retraite spirituelle. Hein? Oh, oui, oui. Oh, Camille, un texto. Oh, vas-y, vas-y, ouvre. Oh. Un texto. C'est bien fait, quand même. C'est bien fait. C'est cool de m'avoir pris. Ça fait 2 heures que je poire, personne s'est arrêté. Bon, si on peut se rendre service, hein. Vous allez où? À la station essence de Saint-Lubin. Saint-Lubin, ça fait 20 km, ça fera 17 euros. Hein? Bah, 17 euros, 20 bornes, c'est pas très cher, hein. Non, c'est une participation aux frais. Parce que ça fait moins d'un euro le kilomètre, va trouver un taxi à ce tarif. Ah d'accord, sympa. Moi, je vous avais dit de pas monter, hein. Bon, arrêtez-vous, je descends. Ça fera 6,50 euros. De quoi? Bah, c'est la course minimum, hein. Bon, allez, roulez. De quoi? Ah non, mais je suis même pas étonnée, en fait. C'est les dingues! On rentre demain, vous devriez profiter de la mer jusqu'au bout. Mais vous vous êtes fait attaquer par des sangliers? Pas la première à l'avoir traité de connasse! Vous êtes malade? Je vais porter plainte. Oh, tu veux que je t'aide? Tu vois, je suis pas prêt. Ça va être un truc de ouf. Hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Estève! Ouvre-nous, vite, Estève! Je peux pas! Je suis pas tout seul! Oh, bah, ça, c'est la meilleure! Mais attends, tu l'as vu rentrer avec quelqu'un pendant que j'étais au marché? Bah non, moi, j'étais au boule! Mais franchement, on voit pas qui ça peut être! Estève! Quoi encore? Mais comment elle s'appelle? Je sais pas, elle m'a pas dit! Elle cuve, là! Moi, je profite pour l'embrasser! Cherche pas, c'est une Anglaise! Ah oui, t'as raison. Il n'y a que les Anglaises pour être bourrées à midi. Oh, on s'emmerde. Bah, il faut bien qu'il ait un amour de vacances. Allez, viens, je t'emmène au resto. Oh oui. Estève!
grave. On te laisse tout seul avec ta nana. Il y a une bassine sous l'évier, si elle vomit. Ok, merci tata. Bon, il a fallu que je m'enfonce un peu plus dans la forêt, mais c'est bon, j'ai trouvé du bois sec pour... Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, chaton? Ah, elle m'a enfin... Mais vous vous êtes fait attaquer par des sangliers? Ah non, une abeille. Ah, tu te fous de ma gueule, c'est une abeille qui a fait ça? Non, c'est moi, en essayant de la tuer. Ah, c'est fou ce que c'est vivre. Et c'est bon, je l'ai eu et Chloé n'a rien. Ah, ah chérie, ah, j'ai mis sa moustiquaire. Ah, chérie, il a mis la moustiquaire, papa. Ah. T'as trouvé du bois? Ouais. Oh, là, c'est la maison. Oh. C'est beau, hein? Et regarde, la terrasse, voilà. Tu vois, plein de sud, hein? Et puis, et la mer était à quelques mètres seulement. Regarde. Oh, voilà. Extraordinaire. Je t'assure, on a passé des vacances de rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, José? Oh, rien. C'est parce qu'on a des limaces dans le jardin, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et José pense que pour mieux combattre l'ennemi, il faut apprendre à bien le connaître. Et pour bien le connaître, il faut être capable de se mettre à sa place. Tu vois, ça ouvre le champ des perceptions. Bon. Oh, c'est pas bête, ça. Tu te resterais bien? Voilà. Voilà. Alors, attends, faut que je te montre la petite placette. Attends. Alors, regarde, avec la fontaine et tout. Oh. T'as vu, t'as vu? Et c'est là qu'on a rencontré nos copains, tu sais, les Italiens. Ah, les Italiens, oui. Complètement fou. Très, très beau, lui. Ouh là là. Ouh là là. Bah, regarde. Ah oui, quand t'as même. T'as compris, ah, oui. T'as compris, ah, oui. T'as compris. Ah, oui. T'as compris. Oh, oh, regarde ce petit couple-là. Je nous revois 40 ans en arrière, moi. Oh, oui. Hein? On était insouciants à cette époque-là. Pas besoin de transat, de parasol, de glacière. Juste une serviette pour deux à même le sang. Ouais. Et alors, quand on avait trop chaud, on se prenait par la main et on courait vers la mer. Ouais. Veux-tu qu'on le fasse en souvenir du bon vieux temps? Ah ouais. Ouais. Allez. Allez. Allez, oui, bon, on va peut-être attendre que la mer remonte un peu, hein? Ouais, une heure ou deux. Ouais. Marion, le volant! Mais non, mais c'est bon, on est sur une dépanneuse. Salut! Hein? Mais c'est qui, lui? C'est Jean, je l'ai pris en stop, on l'emmène à Toulouse. Mais qu'est-ce qu'on fout sur une dépanneuse, sérieux? Ah bah on a crevé, du coup j'étais obligée de m'arrêter sur le bord de la route. Mais tu sais pas changer un pneu? Exactement, heureusement Max m'a aidé. Max? Je crois qu'il s'appelait Jean? De quoi? Ah non mais lui c'est Jean, Max est premier autostoppeur, je l'ai déposé à Marseille. On est allé jusqu'à Marseille là? Bah oui, pour déposer Max, et charger Zarik. C'est qui encore Zarik? T'as un sans-papier albanais, un pote de Max, hyper sympa. Il voulait aller en Espagne, du coup je lui proposais de passer la frontière dans le coffre. Ça va Zarik? Ah, trois coups, ça veut dire qu'il va bien. Non mais qu'est-ce qu'on fout sur une dépanneuse, sérieux? Ah ça, non mais c'est juste qu'on s'est fait siphonner l'essence, c'est tout. Pour ça, la prochaine fois que je m'endors, s'il te plaît, tu me réveilles. Oh, d'accord, ok, si tu veux. Enfin bon, c'est important de dormir aussi, hein, ça peut être, quoi. T'as soif, Zarik? Bon. T'es sûr? Oui. C'est génial, j'éclate. Ce qu'il est sympa, ça. C'est pas possible, j'ai jamais perdu à ce jeu. J'ai toujours retenu ma respiration dans les tunnels, toujours. Ah, mais ça, le Mont Blanc, il pardonne pas. C'est quoi ce tunnel? Ça me gêne, t'as payé toutes les vacances, alors je m'en fous, je veux participer. Bah, si ça te fait plaisir, donne-moi, je sais pas, moi, 2000 euros, alors. Ok. Quoi, c'est trop? Non.
Je sais pas, moi, donne-moi 1000 euros alors. Hein? Ah, ok. Bon, ah bah ça va, tu te sens mieux, hein? Ouais. C'est bon? Oui. On a mieux. Ah, t'as fait des huîtres? Bah oui. Tu veux en goûter une? Ouais. Merci. Je sais pas comment tu te démerdes, même les huîtres, t'arrives à les foirer. Les gens commencent à avoir froid là. Oh, bah, tu vas aller chercher des couvertures. Hein? Crois pas, ce serait plus simple de rentrer tout le monde à l'intérieur. Une garden party à l'intérieur, n'importe quoi, José, écoute. Ça ressemble plus tellement à une garden party. Hein. Bon, écoute, ça fait 2 mois que j'attends ça. Hein? J'ai commandé le traiteur, là, j'ai décoré le jardin, j'ai acheté des transats, un jeu de croquettes. On va pas se terrer maintenant à l'intérieur. C'est l'été, crotte! Quelqu'un a un petit peu de champagne? Oui? Tiens, José, apporte-toi du champagne. Oui. Voilà, voilà, champagne, c'est tout ça. Hey, Marion, je peux prendre le volant si tu veux dormir un peu. Ah oh ouais, cool, merci. Ouais. Parce que là, j'en peux plus. Ça va, c'est bon. Ah, on rentre demain, vous devriez profiter de la mer jusqu'au bout. Hein? Elle sera encore là l'année prochaine. Hein? Ah bah oui, la mer, oui. Mais vous, allez, moi j'y vais. Attends! Attends-nous! Eh ben... Ah, t'as vu? J'ai récupéré un baudrier à la croix-branche pour la ZAD. Quand on est dans les arbres, si jamais on tombe, ça peut servir. Attends, la ZAD, c'est de la croix-branche? Non. Attends, moi j'aimerais bien refaire de la croix-branche. On lutte contre la construction d'un centre commercial. En montant dans des arbres, donc quelque part c'est de la croix-branche, hein, de la croix-branche militant. Non, c'est une ZAD. Je veux venir avec toi sur la ZAD. J'adore, moi, la croix-branche. T'as flippé tout le long? Oui, mais regarde, à la fin j'étais accro. Et puis le dernier jour, au pont suspendu, je suis arrivé premier. Je pourrais être utile à la ZAD. Bon, tu pourras venir ce week-end. D'accord? Ah. Oui, non mais tu prononces une fois le mot accrobranche sur la ZAD, je te jure, je te dégage. Ok. Eh, y a une tyrolienne? Non? Ah, je m'en souviens rien. Non, c'est... Oh, oula, oh. Il c'est pas le même celui-là que quand on l'a fait. Non, c'est ça, c'est pas le même. Mais il est dégueulasse ce café, non? Non, moi je trouve pas. Ah si, si, de toute façon, j'ai envie d'acheter la nouvelle cafetière, tu sais, celle qui vient de sortir, qui fait toutes les boissons chaudes là. Non mais faut vraiment que tu t'achètes un truc nouveau toutes les semaines. Mais Philippe, je sais pas, mais on revient d'une retraite spirituelle dans une yourte. Ça t'a pas fait un peu réfléchir? Mais évidemment que si, quoi. Ça a été une révélation pour moi. Ça m'a donné envie de consommer encore plus. Ah non, mais vraiment, ça a été extraordinaire comme retraite. Pour moi, c'est la solution à la crise actuelle. Tu vois, tu mets toute l'Europe dans une yourte et tu vas voir que l'économie, elle va repartir comme une fusée. Ah mais moi, je te dis, vive la yourte. Sentez la yourte, hein. Tu te rends compte, Huguetto? On abandonne les vieux maintenant. Sur le bord de la route, où va le monde? Je te le demande, où va le monde? Quand on ne respecte plus les aînés, c'est que c'est foutu. Ils m'ont abandonné. Mais il faut se tenir les coudes, Huguette, hein, parce que la vieille, ça aurait pu être toi ou moi. Mais elle serait restée combien de temps aussi sur la borne là si on l'avait pas prise en chemin? Ils m'ont abandonné. Ah oui.
vrai qu'elle est un peu chiante. Elle yoyote. Mais est-ce que c'est une raison, hein? Bah oui. Ah oui. Ils m'ont abandonné. Oui. Ouais. Ils m'ont abandonné. Eh ben, on l'aura avancé un peu quand même, hein. Ils m'ont abandonné. Voilà. Je suis pas fier. On descend, madame. Ils m'ont abandonné. Oui, mais le voyage est terminé, vous êtes arrivé là. Allez, ben, oh, la belle maison, c'est chez vous. Allez, hop. Allez, hop, hop, hop. Oui, non, je vais la sortir parce que là, on en est pour une. Bah oui, mais il faudrait manger des légumes de saison. Tout le monde veut manger des tomates en hiver. Alors forcément, hein. Mm. Bon, José, ça va, oui. Je teste tes instincts primitifs. Tu vois, il y a 6000 ans, le bouchon, tu l'aurais rattrapé. Mais bon, avec l'évolution, il y a des trucs qu'on perd en route, quoi. Ouais. On est en haut de la chaîne alimentaire. Forcément, on n'est pas aux aguets. Mm. Là, tu vois, voilà. Oh, mais tu préviens pas aussi. Mais Adèle, quand un danger arrive, on te prévient pas. Je suis d'accord avec José. Hein, on se méfie plus, on est à l'affût de rien. Tiens. Ah oui, dis donc, t'as de beau reste, hein. On va pour là. Bon, tout le monde ici. Bah oui. Non, mais bien sûr, je comprends, t'inquiète. Eh ben, on se fera ça une prochaine fois. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Bisous. À plus. Ciao. Bon, bah, apéro annulé. On reste ici. Ah, merde. Mais on peut se faire un apéro tous les deux, quand même, non? Ouais. Non? Tu veux pas non plus? Non! Oh, j'ai peur que tu dises oui. Oh, je sais pas si on a abusé ou quoi cet été, mais j'en peux plus des apéros. Pareil, je sature. Quand elle a appelé là pour annuler, ça m'a enlevé un poids. Oh, c'est trop cool ce soir en pickle bag. Un verre d'eau? Ah, grave. À deux même. Oh, une pinte, vas-y, fais-moi péter une pinte. On va s'hydrater la race. Bah, tu descends pas faire de l'essence? J'attends le pompiste. Ah, oh, mon Dieu. Mais tu débloques complètement. Hein. Y a belle lurette, y en a plus, des pompistes. C'est toi qui yoyote. Bien sûr que ça existe encore, les pompistes. N'importe quoi. Bon, ben, j'y vais. C'est bien ce que je disais. Ça existe encore, les pompistes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, Poussin! Quoi? Pff, viens voir! Tiens. Regarde! Oh non! Oh! C'est le bidon d'huile qu'on a ramené pour Lisa. Oh là il a coulé. Là. Oh, là, oh mais là, c'est là. Dégueulasse! Attention. Eh, franchement, elle fait chier! Bah, c'est pas de sa faute! Oh bah écoute, les cadeaux des autres, ils ont explosé? Non. Bah ben voilà, il y a qu'à elle que ça arrive. Pas possible d'être aussi maladroite, je te jure. Oh, elle va m'entendre, tiens. Regarde. Ouais, Lisa, c'est moi. Ouais, franchement, t'es chiante, hein. Ah non, je te jure, c'est lourd, quoi. Oh là là, oh là là, là 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 là. Bon, bah là, là, je vais te dire, là, bah là. Non, c'est... Non, je te jure, il y a qu'à toi que ça arrive, quoi. Oh, merde. De mariage et on arrive encore à péter les lattes du sommier. Hein. Si ça, c'est pas une belle histoire d'amour. Ou alors, on a grossi. Excusez-moi. Non mais désolé, mais depuis le début de la soirée, on a un petit problème. Personne ne parle à Philippe. Alors je sais que tout le monde s'amuse, hein, c'est super, mais ça serait bien que chacun prenne 5 minutes pour venir lui parler, parce que là il me fait de la peine. En plus je vous rappelle que c'est quand même lui qui a acheté le houmous. Oui, pas que. Chut, attends, attends. Donc si je le vois encore une seule fois ce soir tout seul, tout le monde rentre chez soi, ok? Quand est-ce que tes parents nous ramènent Chloé déjà? Demain soir. Avec un déplacement au-dessus des zones tempérées fortement peuplées.
L'Europe serait alors en première ligne, notamment la France et la Belgique, où les cancers de la peau pourraient doubler, voire tripler. Merci. La commission parlementaire lance en ce moment sur un texte visant à interdire tous les gaz soupçonnés d'être à l'origine de ce phénomène. On y retrouve en premier lieu les BTP présents dans les systèmes de réfrigération. Ah, je suis fier de toi, mon gars. Ça, c'est des souvenirs de vacances. C'est ça, se choper la ch'touille. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Ah, ça, tu peux lui dire merci à ton anglaise. Huguette, ça veut dire qu'il l'a fait. C'est un homme, maintenant. Ça pique, hein. Oui, ça pique. Enfin, je suis content, tonton. D'accord. Mais maintenant, il faut que tu ailles voir le toubib. Il faut que tu te fasses soigner. Oui, attends. D'abord, il faut qu'il prévienne sa mère. Ça pique, hein. Oui, ça pique. Dis-y à maman. Oui, c'est moi. Ouais, bah, ouais, j'ai chopé la ch'touille. Bah, au camping. Ouais, ça y est, je l'ai fait. Ouais, bon, bah, salut. Au fait, Sœurette, je t'ai pas dit. Quoi ? J'ai réussi à négocier la maison de papy et mamie, leur baraque à Saint-Jean-de-Mont. Arrête, c'est pas vrai ? Ouais. Oh, c'est génial ! Oh là là, on va faire une de ces tables. Oh, mais c'est clair ! Et en plus, tu vas voir, c'est génial. Il y a un grand jardin, il y a une piscine, il y a un tas de chambres pour loger tous les potes. Ça va être un truc de ouf. Yes. Mais c'est la fameuse maison où vous passiez toutes vos vacances quand vous étiez petit ? Ouais, c'est ça. Et vous devez avoir une tonne de souvenirs là-dedans, non ? Ah bah ça. Tu m'étonnes. Tu te rappelles quand on épilait les chatons ? Ah ouais, même qu'il n'y avait jamais assez de cire. Mais... Et la fois où on avait passé l'été à électrocuter des souris ? Ah mais oui, avec mon jeu du petit électricien. Ah mais oui. Et par contre, notre passion à l'époque, c'était le pool ball. C'est quoi ça ? Bah en fait, c'est comme du football, sauf que là, tu shootais des poules. Ouais, c'est des ballons avec des ailes, quoi. Par contre, celui qui manque le plus, moi, c'est Nono. Oh ouais, le petit vieux de la baraque d'à côté. Ouais. Il pouvait pas parler, il pouvait pas marcher, puis il avait peur du feu. Ah mais oui, ah oui, il avait peur. Ah ouais. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. Oh, l'innocence. L'insouciance. L'enfance, quoi. C'était des bons moments, tout ça. Et ça reviendra jamais. Ça y est, ils sont couchés, tes parents ? Ah, ils finissent leur feuilleton, là, et puis ils vont pas tarder à y aller. Ok, cool. Qu'est-ce que quoi ? C'est le pied ! Oh, putain ! Ah, tu t'es blessé au pied là! Aïe! C'est pour ça que tu cries! Tu m'as mordu, Léo! Tu sais quoi, je vais aller les voir pour les rassurer! Hein? Non, mais les chatons, là, toi! Ça va, vous allez bien? Non, c'est les bas! C'est blessé le pied! Mais tout va bien! Le problème avec l'assurance vie, c'est que t'atteins rarement les 5% de rentabilité. En plus de ça, faut attendre 8 ans avant que ça soit défiscalisé, alors que l'investissement locatif, c'est beaucoup plus rentable. Avec 2 ou 3 studios à louer comme toi, t'as fait, Philippe. Hop, hop, hop. Oui, mais faut s'en occuper, hein. Ou alors tu veux dans une agence, mais rien que la commission, ça bouffe le bénéfice. Ou alors il y a l'investissement outre-mer. Alors là, comme il y a notre conseiller fiscal, c'est qui te double. À propos de conseiller fiscal, j'en connais un qui est très bien, faudrait que je vous donne ses coordonnées. On va passer à table, hein. Oui. Installez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont à parler aussi vite? Ils ont pris de la coke ou quoi? Non, du baronzan hyper caféiné. J'en ai mis dans leur apéro. Quoi? Oh, ça va, c'est toujours chiant les dîners avec eux. Mais, parce que tu les trouves plus intéressants, là? Non, mais à la vitesse à laquelle ils parlent, on sera plus vite couchés. Allez, hop! On enchaîne. Oh, vous avez changé la déco, vous avez mis des photos, j'adore les photos. Puis d'or en noir et blanc, ça fait très bien chez vous. Oh, je vais essayer ça chez moi. Mais vous savez quoi, je vais me laver les mains. Sauf que ça fait 48 heures que le type il est en garde à vue, il veut rien lâcher, rien. Il le cuisine, pas moyen de le faire craquer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils attendent. Bah non, ils attendent pas, non, parce que s'ils attendent, ils le perdent le type. Ah, oui, enfin, oui, bien sûr. Non, dans ces cas-là, quand vraiment le mec s'accroche, on dégaine le joker. Et le joker, c'est... Bah, c'est toi. Eh bah, évidemment, c'est Bibi. Ah bah oui, c'est Bibi, oui. Bah oui, c'est Bibi. Ouais. Donc on m'appelle, moi, je prends le relais, je débarque... Tous les mecs sortent de la salle d'interrogatoire, un par un, moi. Pas un mot. Je viens m'asseoir en face de lui. Et je lui fais mon garde-fou.
La semaine dernière, j'ai ripé avec la perceuse et j'ai fait un gros trou dans l'armoire. Quelle armoire? Dans la chambre? Oui. J'ai ripé, voilà. C'est ma faute, non, parce que j'ai pas pensé, je lui ai fait mon regard. L'autre soir, quand j'ai pris ta voiture, en rentrant, je me suis fait flasher 3 fois. Encore? Oh, c'est pas vrai, Liliane, quoi, merde! Ouais, je suis con, je l'ai refait. Faut dire qu'il marche très fort, hein, sur vous le regard. Vous avez peut-être encore 2-3 trucs à vous dire? Non, je sais. Hier, j'ai repris 3 fois du dessert à la cantine. Oh, bah c'est bête ton régime! J'ai accepté de prendre un verre avec un inconnu dans un bar. Oh, alors là, on est... J'ai perdu ta robe, à l'importance, au pressing. Ah, ma préférée, José Croûte! C'est moi qui ai traité ta mère de connasse en numéro masqué. Quoi? C'était toi? Ah oui, c'était moi, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La pauvre, ça fait un mois qu'elle est traumatisée. Bon, ça va, je fais plus les yeux. Oh, ça va, hein, traumatisée, elle est coriace, elle va s'en remettre. Bah, faut arrêter un peu avec ma mère, là. C'est bon, je suis quand même pas la première à l'avoir traitée de connasse. Ah, Je détends. Hein? Je fais plus les yeux. Lily. J'ai plus les yeux. J'ai plus les yeux. Enfin, à moins que vous ayez encore un truc à vous dire. Non. Bon, j'ai cherché du fromage. Oh, José, on l'a déjà mangé, le fromage. On est au dessert. Hein. Y a un problème? Non, pas du tout. Tout va bien. Pardon. En fait, c'est moi qui ai fait un gros trou dans la haie. Quoi? Mais c'est fou, ça. Ça marche aussi loin? Ah ouais, c'est une portée de 30 mètres. Ah oui. José. Oui. Lily. Oui. Il est bon le cognac, hein? Oui. Bah, tu débarrasses, toi, maintenant. Oui. Ça doit être l'effet bénéfique des vacances, vois-tu. Une sorte d'élan, de dynamique, le refus de tomber dans la routine qui nous ronge à petit feu. Voilà, pardon. Et dis-moi, ça va te durer jusqu'à quand? Mon Dieu, j'espère jusqu'à l'évier. Sinon, je la laisse en chemin. Ah, ça fait loin quand même. J'ai reçu un message de Patricia. Patricia, la nana, là, qu'on avait rencontrée pendant les vacances au marché, qui vendait des fromages. Oh, génial! Bah, qu'est-ce qu'elle devient? Bah, écoute, apparemment, elle vient dans la région, elle aimerait passer nous voir. Eh ben, on a qu'à l'inviter à boire un coup à la maison, hein? Ouais. Quoi? Non, mais parce qu'elle sentait un peu la chèvre, non? Ah. Enfin, au grand air, ça va, mais dans un 20 mètres carrés, je me dis... Eh ben, on sort en ville, alors Ouais, mais si on croise des gens qu'on connaît... Avec son accent, elle risque de nous foutre la honte. Ouais. Non, bah écoute, je l'ai inventé un beau bar. Hein. Je ne réponds pas. Ouais. Mais elle sait pas où on habite? Non, je lui avais dit dans le centre-ville, donc... Mais dans ce cas-là, faudra pas sortir des fois qu'on la croise. Il reste combien de jours? 3 jours. Non, c'est bon, on a de quoi tenir. C'est bon. Ouais. Oh, je suis trop contente d'avoir de ces nouvelles. Carrément, oui. Ça fait plaisir. Ouais. Oh, patoche. Ouais, patou. Ah, ça me donne envie de manger du fromage. Grave. Hein? Je vais en chercher. Ah ouais? Non, faut pas sortir. Ah bah non. Il y en a dans le frigo. Je crois qu'il me reste un morceau de pelle. Oh! Ah, oh! Eh! Oh! Ah! Oh! Oh! Eh! Oh! Oh! Eh! Oh! On peut savoir ce que tu fais, hein? Non, mais comme c'est la rentrée et que ça fait 2 mois que j'ai pas gueulé, faut que je m'échauffe. Oh, tu veux que je t'aide? Bah, tu vois, je suis pas prêt. Ah. Oh, ah, oh, hé! Hey. Oh, hé! Hey, tu veux que je t'aide? Ah, voilà. Bon, allez, à ce soir, j'attends. Ah, cool. Oh, hé! Hey. Touche pas à ça! Oh! Oh! Ouais. Oh, ah! Comme tu m'as demandé. Waouh! Un ton crudité. Super. Exactement comme au moment où j'étais sur la plage à Plétain. Ça te manque les vacances, hein? Oh, oh ouais. Attends. J'oublie un détail. Bouge pas. Ouvre.
le sable de Plétin. La pluie. Bon appétit. Oh, elle le fait bien, Tata, hein. Alors, est-ce qu'on s'est... Donc, ils sont bizarres, tes potes, là. Ah, non, 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 mais ça, c'est parce que je leur ai dit que t'étais bourré. Ah bon? Mais pourquoi? Comme t'as un petit peu saoulé tout le monde tout à l'heure avec tes sorties de droite, comme ça ils mettront ça sur le compte de l'alcool. Ah. Non mais c'est plus confort pour toi, hein. Non, non, tu peux dire ce que tu veux. Allez, amuse-toi. Ouais, donc officiellement je suis bourré là. Ouais. D'accord, d'accord. Et à ce moment-là, chavite. Chavite, hé, chacu. Chavite, hé, excusez-le. Tu fais quoi toi cet après-midi? Je passe aspirateur. Hein? Ah non, mais dans la bagnole, hein. Ah oui. Estelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qui vous êtes vous? Mais qui on est chez nous. Voilà qui on est. Huguette, je crois qu'on est rentré un peu trop tôt du week-end. On n'est pas chez toi, là? Mais si, les écoutes pas, ils sont zinzin. Comment ça, on est zinzin? Fais attention à ce que tu dis, hein. Ça pourrait mal finir, Estève. Brian, pourquoi il t'appelle Estève? Les écoutes pas, je te dis, ils sont zinzin. C'est des petits vieux dont je m'occupe, ils se sont échappés de la maison de retraite. Bon, va falloir rentrer au centre, maintenant, hein. Brian, qu'est-ce qui se passe, là? Non, non, mais t'inquiète, c'est juste des vieux qui ont perdu la boule. Ouais, on a peut-être perdu la boule, mais nous aussi, on veut jouer à Papa Cucu avec les filles. Ah oui, il y a des chances. Non, attends, elle déconne. Oh, bah, hein. Elle déconne, hein. Elle déconne. Mais non. Attends. Attendez. Non, on déconne pas. Restez. Je suis pas content, là. Moi, pas content. Hein. Les filles. Ah. Mais c'est lui, là-bas. Dave, le sachet. Mais je sais, mais alors, il est super. Un, je suis pas bourré. Et deux... Oh, t'as acheté des murs. Ouais, et j'ai pris celle du haut, comme tu m'as dit pendant les vacances. Comment ça? Bah, tu m'as dit que celle du bas, les renards, ils faisaient pipi dessus. Mais pas dans un supermarché. Ah, oui, bon, d'accord. Donc, genre, le renard, dans un supermarché, il va direct aux chiottes. Y a pas de renard dans un supermarché. Oui. Oui, bon, en tout cas, personne n'a fait pipi dessus, c'est ça que je veux dire. Oh, écoute. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes malade? Je vais porter plainte. Ah oui? Je suis un ancien gendarme. Alors ta plainte, elle verra jamais le bureau du commissaire. C'est bien toi le propriétaire d'un chien tatoué 2AAA123? Ben oui, c'est Chamallow, c'est mon chien. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pour l'instant, rien. Mais si tu continues à le faire chier sur le trottoir sans ramasser, il va t'arriver des bricoles, à toi et à ton chien. Tu sais combien de vieux chaque année se cassent un bras ou le coccyx juste en glissant sur une merde de chien? Mais moi, je ramasse. Ah, tu ramasses. Pièce à conviction. Et ça, ça serait pas une merde de marshmallow par hasard? Chamallow. Ou non, mon monde. Réponds. C'est pas Chamallow. Les siennes sont tombes longues à cause des croquettes pour le transit que je lui donne. Allez, vas-y. Non, c'est vrai. Je ramasse pas toujours. Tu ramasses pas toujours? On t'a suivi pendant 3 jours. T'as jamais ramassé? Oui, c'est vrai, mais j'ai mal au dos. Il m'énerve. Vas-y, allez, Dominique. Vas-y. Ouais. C'est mon arthrose. Oui. Tu t'en sors bien, toi. Les gants en plastique, Huguette. C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? T'as intérêt à t'en servir. Allez, va chercher son clébard. Ouais. Et toi, détache-le. Non, pas toi, toi. Détache-le. Oh, Chamallow. Ouais. Mon Chamallow, j'ai eu tellement peur, mon Chamallow. Ouais, allez, dégage. Attends, oula.
T'oublies rien par hasard? Oh, puis j'oubliais les gants. Qu'est-ce qu'on est bien. Non, mais je... Non, mais moi, pareil. Je voulais pas forcément dire que j'étais bien, hein. C'est pas... Moi, je voulais pas dire que j'étais... Voilà. Des bisous. Oui. Oh, je me sens daronne. Ok, let's go, moteur. Dis donc, je suis contente, hein. Je vois que ça t'intéresse, hein. Pardon, excusez-moi. Tu gênes, mon chat, regarde, pardon, hein. Eh ben, ils attendront. Ah, pour... ah ben, c'est le sien. Tiens, je te le remets. Hé, hey, je mets du beurre, beaucoup de beurre, parce que j'aime pas le pain. Ça a craqué un peu. Hein? Toujours, silence, on bouge pas, on ne bouge pas. C'est bien le beurre, Fred, mais pas plus. Pas de plus. Non, mais je vais arrêter là. J'arrête le beurre. Oh. Je double à gauche, je reviens au milieu. Tu comptes comme un pied. Mais non, mais ça, ça c'est sûr. Au moins, dis-toi qu'on aura une pétition. Ouais, hein. ouais. Y'a rien, là, t'as rien. Tiens, ton revolver. Merci, Gay. Ton revolver? Oui. Eh, m'a dit mon revolver. Non, j'ai mis ton revolver. Je trouve intéressant qu'on laisse quand même, tu sais, avant qu'on pose se regarde. Pose ce lapin, tout de suite. À l'intérieur, une garden party, n'importe quoi. Attends, mais mets-le en arrière. J'ai le cul trempé. Hyper bien, non? Oui, hyper bien. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Sans lui, voilà, c'est pas mal, non?